Bonjour à tous, on se retrouve pour la petite réaction au trailer de The Suicide Squad, voilà le nouveau film de James Gunn, et suite slash reboot de Suicide Squad de 2016, voilà, personnellement j'ai vraiment détesté ce film. Pour moi, un des seuls trucs bons dans le film, c'était Margot Robbie en tant qu'Harley Quinn, et elle est de retour, donc je suis content. Voilà, bon après je me doute, j'ai l'impression qu'ils font ça juste pour nous faire oublier le hashtag Restore de Snyderverse, mais Restore de Snyderverse, je serai toujours pour. Mais en attendant, on a un trailer à regarder, c'est parti! You gotta be kidding me. You're gonna risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester. It's coming from a guy that wears a toilet seat on his head. We don't leave one of our own behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire up. 3, 2. What are you guys doing? What? You, we're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. Ça me sert jusque-là. You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Can do the job for free. So this is the famous Suicide Squad. Je ne connais pas tout ça. Bon, avec oui. Any questions? Ah oui, quand même. Hand. Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Ok. Pour l'instant, ça a l'air très intéressant. You die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? How the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I had to eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? Ça a l'air très mature. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh my god! We've got a freaking kaiju up in this shit! Uh-huh. I don't wanna do your... I love the rain. It's like angels are splooching all over us. It's all. C'est moi ou le méchant c'était une étoile de mer? Si c'est ça, en vrai c'est génial. Ok. Alors franchement, je sais pas. Alors, déjà esthétiquement, ça a l'air d'en envoyer. Ça envoie. C'est du James Gunn, j'ai envie de dire. C'est celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Et bah franchement, ça envoie. Harley Quinn a toujours l'air d'être aussi drôle. Il y a beau, on remarque déjà qu'il y a beaucoup plus de violence. Genre, putain, quand je crois que c'est King Shark qu'ils appellent, il déchire le gars en deux, pas mal. Et bah, il y a pas mal de vulgarité, j'ai l'impression, en plus. Ouais, je sais pas si je suis vraiment hypé, mais. Mais je, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais prévu de voir ce film, mais là, pour le coup, j'ai. J'ai un peu plus hâte de le voir parce que il y a des trucs que je veux voir. Le boss Étoile de Mer, Patrick. Patrick. J'ai envie de voir Patrick dans ce film. Donc voilà. Voilà, c'était tout. C'était une petite vidéo pour réagir à The Suicide Squad. Qui normalement, si je me trompe pas, sortira le 29 juillet 2021. Voilà. Voilà. Au revoir.